la vitesse. Moi je suis du Nacra 15, du Nacra 15 à l'année, un petit peu de Nacra 17, surtout du catamaran de course. Première expérience en iFly, c'est très bon bateau. Franchement, je m'attendais à un bateau smooth, mais c'est un bateau qui est quand même très performant. On s'est tapé des bonnes barres, ça va quand même super vite. Les foils sont bien travaillés et accessibles parce que pas très compliqué à manier, mais on peut vraiment tirer dedans et quand ça marche, et ben, tu accélères facilement à au-dessus de 20 nœuds. Donc, très belle rencontre avec ce bateau-là. Je m'attendais à un bateau vraiment école, plus école de voile et vraiment massif, vraiment pour apprendre à voler, mais en fait je me suis rendu compte que c'est un bateau qui peut avoir de la vitesse et qui est assez confortable, donc assez safe, mais qui accélère fort dans les moments où on veut accélérer et quand on veut que ce soit safe, c'est safe, donc très belle rencontre avec ce bateau là. C'est d'en faire. Alors, Julien, tu es à naviguer aujourd'hui avec moi un peu sur l'iFly. Yes. Qu'est-ce que tu fais normalement? Alors moi je fais du Nacra 15, à l'année, un petit peu de Nacra 17, surtout du catamaran de course. Première expérience en iFly, c'est très bon bateau. Franchement, je m'attendais à un bateau smooth, mais c'est un bateau qui est quand même très performant. On s'est tapé des bonnes barres, ça va quand même super vite. Les foils sont bien travaillés et accessibles parce que pas très compliqué à manier, mais on peut vraiment tirer dedans et quand ça marche, et ben, tu accélères facilement à au-dessus de 20 nœuds. Donc, Et cette drôle de nouvelle voile, le code F, qu'est-ce que ça fait? Alors le code F, ça m'a paru très perturbant au départ, mais au final très performant parce que c'est très plat. Ça fait pas beaucoup de traînée et il y a quand même de la toile, donc ça a fait accélérer pas mal le bateau en double, c'est quand même génial et c'est très performant.